On est parti sur du what the fuck. Yo les gens, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo est tirée des émissions Striptease qui ont bercé mon enfance. Il se passait toujours des choses insane. Je tenais à vous partager cette vidéo en réaction. Si tu kiffes ce genre de contenu, n'hésite pas à mettre ton plus grand pouce bleu, à t'abonner à la chaîne parce qu'il y en aura d'autres. En tout cas, je prends un plaisir énorme à vous tourner ce genre de contenu. Let's go, on est parti. Pour ceux qui ont des sensibilités aux oreilles, franchement, clairement, mettez-vous les bouchons parce que cette femme-là, elle a le démon, elle va crier, je vous préviens. Voilà. Mais c'est parti, je ne vais pas vous spoiler, let's go. Comme il a le droit. Ah, vous l'amènerez demain, madame. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Il est sous scellé, le Et dimanche, pourquoi? on ne peut pas y accéder. C'est le dimanche, c'est comme Et ça. pourquoi? Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi elle s'énerve, hein. Vous avez l'air, c'est moi. Donc si toi t'as compris, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire également. Vous l'aurez demain. Demain matin, venez à 7 h. Je pense que vous aurez vos documents. Parce que le coffre est Ah, il lui faut des papiers. Mais pourquoi vous n'avez pas l'ouvrir? Il lui faut des papiers un dimanche. Ok, donc Qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça sert comme crapet? Il y a une grille qui filme en fait. Des gens qui travaillent à la commune, ce sont des gens qui travaillent pour vous. Voilà. De mauvaise meuf. De mauvaise meuf. Allez au diable, là. Allez au diable. Mais je pense que c'est elle qui a le diable dans le corps, les gars. Oh là 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 là, ça commence fort, hein. Ça commence fort pour mamie, hein. Mais toute calme, elle donne son adresse, toute calme. En fait, elle est bipolaire, j'ai l'impression. Non. Il est court gentil, mec. Il est court gentil. Hein. Moi, une femme, elle me parle ainsi, tu sais quoi, je la dégage. Hein. Oui, en plus, elle l'insulte. Les pires crapules qui existent au monde. J'assume pleinement mon statut de salopard, madame. Pleinement. Non, attention avec votre canne, hein, parce que je vais vous frapper avec la canne. Ne me touchez pas avec votre canne. Je ne vous toucherai pas, monsieur. Okay. Mais je vous mets en garde. Je suis en garde. Et je vous mets en garde aussi parce que je ne suis pas un chien. Okay, vous me parlez tout Si vous êtes un chien. Oh là là. Pire qu'un chien. Un chien ne parle pas comme ça. Dis-toi, si j'ai bien compris, elle demande des documents un dimanche à ce monsieur qui travaille à la mairie ou je ne sais quoi. Et le mec, malheureusement, il ne peut pas lui donner les documents nécessaires parce que je pense que le dimanche, tout le monde a le droit d'être tranquille, pépère chez soi. D'ailleurs, si t'entends, on entend les oiseaux, il fait super bon et cette vieille femme-là, elle a complètement le démon. Voilà, le mec essaye d'être calme, le plus serein possible. Bref, on va voir comment ça va se terminer. À mon avis, ça promet. Un chien ne se laisse pas parler comme ça. Il ne parle même pas du tout. Oui, c'est ça, clairement. Un chien ne parle pas. Et venez à 7 h demain matin, vous aurez... Je viendrai pas, mais vous aurez la visée de la police. Ouais, ouais, ouais. Et votre emprisonnement. En tout cas, ça c'est fait. Je voulais simplement vous dire une chose, c'est que vous aurez votre quart d'heure de... Voilà, exactement, et moi je partage. Certainement, j'aurai... N'hésitez pas à liker. Casserole. Oui. Mon cousin était chef de la résistance belge, hein. Oh, la honte pour la Belgique, hein, la honte. Ah, vous êtes arménien, de la pire espèce. Ah, je vous rassure, on parle pas tous comme elle en Belgique, hein. On crie pas tous comme des chiens. Du cocasse, enfin, ça vient de ce mot, hein. Un chien à bois ne crie si pas. Vous êtes, on retourne dans votre pays. Ah, oh, raciste, ça j'aime pas ça par contre. Ça c'est vraiment du racisme. Je vais vous dire une chose, il n'y a plus d'endroit où habiter en Arménie parce que nous avons été déportés. Ah, pauvre gars. J'ai vraiment mal au cœur pour lui. Tant mieux. Et l'autre tant mieux. Mais ta gueule, hein. Beaucoup dans votre Ta gueule, vieille folle. La différence de fou qui nous ça j'accepte pas. Je ne suis pas raciste. Ah, à peine. Mais des crapules comme vous. Ça retourne au pays. Ce genre de personnes qui disent qu'ils sont pas racistes alors qu'ils le sont Tant mieux. À 200%. Continuez votre chemin. Je pense que vous avez mieux à faire chez vous. Alors, très bien. Très bonne réaction du mec, clairement. N'insistez pas trop sur les propos racistes parce que je peux aussi commencer à m'énerver. Ah là, ça va commencer. Là, le mec, il va arrêter. Il va perdre patience. Tu rigoles pas avec moi. Parce que si je m'énerve, je te défigure. Oh là 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 là. Alors fais gaffe à toi, hein. Le crapaud. Le crapaud, clairement. Au revoir, madame. Et son pote tout gentil, au revoir, madame. Passez une bonne journée. Ça, la vieille folle, comment c'est bien fait au final. Je me demande si c'est peut-être même pas du fake, tu vois. C'est trop bien fait, tout correspond, tout se synchronise, c'est super. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous proposer ce contenu. J'espère néanmoins que tu as kiffé. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à mettre ton plus grand pouce bleu. Moi, je te fais des bisous et je te dis à la fois prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.